Alléluia. Alors, l'histoire qui vous sera racontée est celle d'une famille musulmane chrétienne. Alors, le père du nom de Alati étant musulman et la mère chrétienne, une femme qui met toute sa foi en son sauveur Jésus, chose qui mérite le chef de famille, car pour lui, il n'y a pas de véritable Dieu que Allah. Le père à table avec ses enfants remarque l'absence de sa femme. Aussitôt énervé, il envoie sa fille, qui est très rattachée à sa maman, aller la faire venir en lui disant de stopper sa prière. Et sur cet élan de colère, mélange tout et part à la mosquée. La pique-nique, où est ton maman? La pique-nique, où est ton maman? Ma maman est dans la chambre, papa. Va appeler ton maman. Elle prie. La pique-nique, debout, va appeler ton maman. Je me trouve ça. Dépêche-toi. Mon maman, pourquoi tu es ton? Pour moi, je ne peux pas monter. C'est mon nom. C'est toi. C'est qui ça? C'est ton soeur? Maman! Maman! D'accord, maman. C'est mon sport aujourd'hui? Si, tu manges le jus. Mais quoi le nourriture? Et qui va mettre le nourriture dans mon bouche? Accompagne tout le jour dans ce maison. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu, on a tout par contre. Pardon. C'est pour des marchés que tu es. Je ne mangerai plus. Pardon. Je ne mange pas la mosquée. Nadji, pardon. Attends, moi, je ne mangerai plus. Maman, faut le laisser pour ça. Son affaire de mosquée là, faut le laisser. Même pas t'inquiéter. Il n'y aura pas de. Toujours, avec les feux, toujours, le feu. Déjà, on n'est pas très de feu. Ah, maman. Toi, Soumana, tu es dedans aussi. Ma mère, elle est dedans. Tu es dedans aussi, Soumana. Maman, faut la laisser. Ma mère, toute triste par les paroles de son mari, reçoit une visite du pasteur et avec sa fille spirituelle venue lui rendre visite. Ah, ma fille. Aujourd'hui, nous allons visiter la famille. La femme a aime beaucoup prier, elle aime beaucoup le Seigneur. Et aujourd'hui, on va aller chez elle pour l'exhorter, pour l'encourager. Qu'est-ce que tu en penses? L'amour qui se marie à la maison. Peut-être que tu la connais bien. Hein? Donc, allons-y, ma fille. Allons-y, ma fille. Ah, c'est bien ça. Mais là-bas, la papa, c'est un point qui est vraiment mené. Il faut qu'on prie le Seigneur avant de partir. Parce que vraiment, je sens que là, il y a quelque chose qui va se passer. Ma fille. Oui, papa, tu sais, quand je te dis que je vois, c'est que je. Mais tu sais, papa. On va prier. Tu as fini à sentir, hein? Tu sens que ma fille. Mais papa, on va prier. Attends, calme-toi. Je sais que je n'ai pas trop senti, hein? Calme-toi. Hein? Quand tu es avec moi, Dieu est là. Il ne faut pas avoir peur. Hein? Dieu est au contrôle de tout. Hein? Ça, il est musulman, il n'y a rien. On a le Seigneur avec nous. Où est ma fille? Suis-moi, allons-y. Voilà. Papa. Qui est donc? C'est que c'est ton Nadji. Grigo. Qui est papa? Salut. Maman. On est arrivé. Mais papa. Oui. Mon père. Viens comme ça. Faut te lever. Ah. Ah, c'est bon. Il est midi. Vous avez l'argenté, mon papa ici, il n'y a pas beaucoup de personnes dans la maison, vous n'allez pas. C'est quel comportement ça? Toi, papa t'a parlé. Il t'a parlé, non? Laissez la fille de faire son nom, prier son nom, Dieu l'a déjà vu. Et vous parlez, vous parlez là. Pardon. Là, comment elle est là-bas? Papa, vous parlez de tout ça. Ah, merci ma fille. Donc moi, que Dieu me bénisse. Je suis venu t'exhorter. Pas de tout ce qui se passe. Le plus important, tu dois t'approcher à Dieu. Tu dois payer ta dîme. Tu dois
tu as fait des offrandes dans la maison de Dieu. N'offrande pas. Tu dois prendre ma fille. Quand tu vas faire le feu, d'abord que tous ces trucs-là, tous ces trucs qu'il fait là, tout va passer. Voilà. Avec une offrande sacrificielle. Et tu vas prendre ma fille. Je vois un truc dans la maison ici. Je vois quelque chose dans la maison. Il faut que tu le saches. Ok, ma fille. Ok, ma fille. Quand le père parle. Je suis en train de dire que je vois quelque chose. Ah! Il y a un truc dans la maison. Il faut qu'on prie dès maintenant. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose, papa. Ok, ma fille, comme toi. C'est un des trucs là, ma fille. Alors, comme ma fille dit, elle a un trou. Hein. Un trou. Donc, le trou, pour faire un trou là. Hein? C'est pas feu. C'est pas feuille de banane. Ah, c'est quoi des feuilles? Des feuilles vieilles là. Arrobase. Voilà. C'est ça, on prend pour fermer tout là. Pendant ce temps, le Fils prodige voit le pasteur et la servante. Leur manque de respect et pour aller chercher son père à la diable. Vous encore ici. Ah, toujours le feu, toujours le feu. Ah, on est fatigué de vos feux, à midi, même, toujours le feu dans nos maisons. Ah, moi, il me rappelle mon papa. On est ta famille là, vraiment. Donc, on va prier, comme ça, on va prier. Ah, c'est sûr que j'ai vu quelque chose. Oui, tu as entendu, ce qu'il a dit, non? Il dit ça, prier son papa, quand tu as prié, on va prier. Ah, ma fille. Rigaga. Défrontée de la famille, après ses sorties nocturnes, fait son entrée à la maison.
plaignant de douleur au ventre. Aussitôt le vieux alla tirer vers elle et elle tomba brusquement. Le fils court appeler le marabout du quartier, faire des incantations pour aider la fille, mais elle mourra et tous se mirent à pleurer. Allô, papa.
Oui, allô. Sois béni. Ah, ma fille, tu es bénie. Dépêche-toi de venir à la maison si il y a des choses, Il y a quoi là-bas encore? Ma petite soeur est tombée, dépêche-toi, maman. Le père n'ayant plus foi décide d'appeler Ibousset. Ma fille, on va aller sur la famille à la maison. Voilà. Tu sais que nous avons un endroit. Et tu vas s'en sortir. Allons, ma fille. Zoumana, là, il faut s'appeler au fond de l'état. Les femmes n'avaient pas dans le figurage. Vous n'avez pas vu qu'elle. Bâton romancé lui au soir. On ne va pas s'en prier pour ça. Voilà. Ma fille, c'est passé quoi? Dis-moi quelque chose. Hein? Dis-moi se manifester. Ma fille, lève-toi. Ma fille, lève-toi. Voilà, qui est-ce? Allô? Ah, ça ne m'a pas dit. Dis-moi ce que tu veux. Oui, oui. Ma fille. Nous habitons Pêcheville, à Basse 3. Mon fils vient de mourir. Recherche. Papa! Aujourd'hui, c'est la Pâque. La Pâque, de la délivrance. Délivrance des enfants de Dieu. Oui, vous êtes en train de venir. Ok, nous attendons. Parce que il y a deux sorciers qui sont dans mon maison. Et par la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu va te montrer sa puissance de la résurrection. Donc, on croit que ma partie, ta vie va se lever tout à l'heure. Parce que mon Dieu, je vis, il est puissant. Il est fort. Le pasteur, la mort. Le pasteur et la femme d'Aladji et la soeur décident de prier et invoquer le Seigneur afin qu'il puisse faire un miracle dans la vie de Fatima. Seigneur, nous te bénissons. Merci Jésus. Tu es le Dieu qui ressuscite les morts. Tu m'as toujours exaucé. Je déclare maintenant, jeune fille, lève ton nom de Jésus. Attendez, attendez, attendez. Attendez. Je vais passer les choix. Jeune fille, lève-toi. Je vais parler trois fois. Voilà. Ça, c'est deux fois plus loin. Ça, c'est toutes les deux fois. Quand Jésus parle, il va se lever tout à l'heure. Ma fille, quoi, donc tu vas battre. Jeune fille, lève-toi au nom de Jésus. Alléluia. La fille Fatima se lève et le père Aladji et Zoumana qui ne croyaient pas en la puissance de Jésus décident de donner entièrement leur vie à Jésus. La famille Aladji commence à louer le Seigneur par des cantiques. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'a répondu. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pour dire à tout le monde, notre Dieu est capable d'apporter la résurrection. Alléluia, alléluia. Vous pouvez inviter une personne à croire à la puissance de la résurrection. Jésus n'est pas resté dans le tombeau le troisième jour, il est sorti du tombeau. Est-ce que tu peux acclamer ce Jésus? Avec les entraînements et les répétitions, nous allons aller de perfection en perfection. Alors, moi, je suis le frère Eric Boulet,
Et lui, c'est le frère, au Diablo. La sœur. Voilà, nous avons été heureux de vous présenter ce sketch et nous vous disons tous ensemble, la tête baissée. Merci.